Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 10e édition du souper bénéfice au profit du Fonds régional en infrastructures de loisirs, qui a pour première mission de mettre aux normes les infrastructures sportives afin de favoriser des compétitions locales et de favoriser l'accès aux sports organisés de la région. Mon nom est Annie Boilard et c'est moi qui ai le plaisir une fois de plus cette année d'animer, ou je devrais dire plutôt de co-animer, cette belle soirée cette année avec Yannick Tremblay. Merci beaucoup Annie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Fairmont, le manoir Richelieu, pour cette 10e édition du souper bénéfice au profit du Frill Charlevoix. Si bien dit, ma co-animatrice, je me présente Yannick Tremblay, alias Pee-Wee, l'homme au mille sourires, animateur des légendes du rock à choix 98.1 Radio X. Très content d'être de retour dans cette belle région de Charlevoix. Pourquoi je dis retour? C'est que j'ai grandi. Une partie de ma vie, de mon développement s'est passée ici, alors que j'ai été campeur et moniteur aux éboulements au camp Le Manoir. Alors c'est toujours un plaisir de revenir dans le secteur. Ce soir, c'est une méga grosse soirée. On a plein de surprises pour vous et des gens de qualité qui se sont déplacés au Fairmont de Manoir Richelieu pour cette soirée. C'est le cas de la coprésidence de cette soirée, alors que M. Denis Lebel et Marc Juteau ont fait l'honneur de se déplacer. Merci beaucoup d'être avec nous, messieurs, ce soir. Et la soirée qui vous est présentée par l'équipe CCT, Desjardins Valeurs Immobilières, en collaboration avec la SADC de Charlevoix, le Fairmont Manoir Richelieu, Stein Mona et l'équipe Gosselin, Auger et Lausier de la Financière Banque Nationale. Cette belle équipe qui est appuyée par des partenaires principaux suivants, soit Accès Conseil Dubois, Groupe Lebel, Citec et Résolu. Finalement, soulignons la participation de DRI Télécom, PSAV, MacPec et la station de radio de Charlevoix, CIHO. Je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à tous ses partenaires. Alors, avant de vous faire part du déroulement de la soirée, il est important de vous présenter les membres du Fonds régional en infrastructures de loisirs. Tout d'abord, Mme Nancy Bouchard de Bouchard et Gagnon Notaire, Sébastien Tremblay de la ville de la Malbaie, Bruno Tremblay de A. Tremblay et Frères, David Tremblay de Simard Suspension, Claude Bouchard de Benoît Côté Comptable, Robert Bellerive de la ville de Baie-Saint-Paul et Gaétan Sirois de la SADC Charlevoix. Pour ce 10e souper bénéfice, Stein Mona nous présente une table d'honneur de 10 personnalités sportives. Et sans vous faire plus attendre, allons-y avec la présentation de cette première table. Tout d'abord, nous avons la chance d'avoir ce soir une patineuse artistique professionnelle sur la scène internationale depuis 2007. Elle donne de nombreuses prestations, dont entre autres avec le... ma prononciation, j'espère que je le dis comme faut. Fantasialand Schmidt-Lofard GmbH Eco en Allemagne et le Hatheid Productions du côté de Mexico. Elle est designer, devrais-je plutôt dire, de mode au niveau commercial depuis 2010 et propriétaire de l'entreprise Brillance et Melrose incorporée depuis 2017. Merci à Marie-Pierre Chouinard d'être parmi nous ce soir. La seconde personne, âgée de 32 ans, est un boxeur natif de Baie-Saint-Paul. Chez les amateurs, il a parcouru le Canada et les États-Unis en accumulant plus de 130 combats. Il est maintenant actif chez les professionnels depuis 2011. Sa fiche se porte à 18 victoires, dont 8 par KO et une défaite par décision. Merci d'être avec nous ce soir, Sébastien Bouchard. Notre prochaine personnalité a été repêchée en première ronde dans la Ligue majeure du Québec par le National de Laval. Il participe au match des étoiles de la section Est comme membre des Saguenayens de Chicoutimi, en plus de jouer contre la deuxième équipe de Russie au centre Georges Vézina. Il participe également à la victoire des Amirals de Milwaukee dans la finale de la United Hockey League. Il termine sa carrière avec les Nordiques du Maine et les Jarreaux de la Beauce dans la Ligue nord-américaine de hockey en 1976. Merci.
merci à Pierre Quintal d'être parmi nous avec nous ce soir. Merci, Monsieur Quintal. Les exploits de cet homme, tout autant que son implication en ski, resteront gravés dans l'histoire du sport de la région de Québec. Dès 1950, à Banff, il fut champion canadien de ski alpin junior, toute catégorie. Deux ans plus tard, comme membre de l'équipe nationale, il participa aux Jeux olympiques d'Oslo en Norvège et fut couronné champion des Jeux du Commonwealth à Davos, en Suisse. Champion canadien et interuniversitaire nord-américain en 1954, il se préparait alors pour les Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo en Italie en 1956. Porteur du drapeau canadien à la cérémonie de fermeture, il mettait ainsi un terme à sa carrière. Décédé à la fin du printemps, M. André Bertrand est représenté ce soir par son fils Marc. Merci. Notre prochaine personnalité a fait équipe avec Luc Bradet en patinage artistique pendant plus d'une quinzaine d'années. Ils ont été les premiers couples de patineurs à remporter ensemble les trois titres canadiens des niveaux novice, soit en 1988, junior en 1990 et senior en 1997. Après de nombreux succès à l'international, ils obtiennent la première place au championnat canadien à Vancouver. En 1998, ils ont participé aux Jeux olympiques de Nagano au Japon et finalement ont été intronisés au temple de la renommée du patinage artistique de la région de Québec en 2010. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Madame Marie-Claude Savard-Gagnon. Élite de karaté. Elle a été 5 fois championne de l'Est du Canada en kata de karaté Kyokushinkai. Championne d'Amérique du Nord et vice-championne des Amériques. Suite à sa carrière en karaté, elle joue au hockey élite pour le Mistral de Laval, équipe de hockey féminine. En 1999, elle performa au sein de l'équipe nationale de France, où elle gagna la médaille de bronze lors du championnat mondial de hockey féminin, division 1A. Merci d'être avec nous ce soir, Mme Karine Dufresne. Notre prochaine personnalité est un alpiniste aguerri, connu pour sa spectaculaire carrière de guide de montagne ainsi que propriétaire du centre d'escalade Rock Gym et des Palissades de Charlevoix. Le 4 septembre dernier, il s'est envolé pour les Alpes françaises et italiennes afin de gravir les premiers sommets de son périple à couper le souffle. 55 montagnes en 5 ans! Celui qui a rejoint le club select des 7 sommets, dont l'Everest, se lance donc un dernier défi d'envergure qui marque ses 55 ans et qui est son Liberté 55 bien à lui. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être là, M. François-Guy Thivierge. Notre prochaine personnalité est originaire de Montréal, mais résident de Charlevoix depuis plus de 50 ans. Il a débuté ses entraînements de ski acrobatique au Mont-Grandfond. Il a participé à la Coupe du monde de 1978 à 1984. Il fut sacré champion du monde en 1982. À 57 ans, il revient au sport en réalisant un premier demi-Ironman et prévoit en faire encore plusieurs autres. M. Clark participe fréquemment aux activités sportives locales. Alors, merci d'être avec nous, M. Craig Clark. Maintenant, on vous présente un footballeur professionnel, puis avocat associé chez Steinmona. Il a conservé l'âme sportive et lors de sa carrière sportive, il a joué entre autres avec le Rouge et Or de l'Université Laval et dans la CFL avec les Eskimos d'Edmonton. Il est également très heureux de pouvoir participer au 10e anniversaire du Frill puisque sa longue collaboration auprès du Frill cadre très bien avec les valeurs qu'il a reçues durant sa carrière qu'il souhaite transmettre aux étudiants athlètes de la génération future. Merci beaucoup à Jean-Philippe Abraham d'être les nôtres ce soir. La prochaine personne s'est distinguée dans de nombreuses compétitions de golf locales et régionales. En 1986, elle est déclarée championne de l'année pour le district de Québec. En 1988, elle participe au premier championnat amateur canadien à Vancouver.
Elle arrêta la compétition de 2003 à 2013, mais marqua son retour en devenant championne match-play. Elle devient également championne amateur et senior, et finalement, à tous les ans depuis son retour, elle réussit à se classer dans les trois premières golfeuses pour représenter le Québec au championnat canadien. Merci d'être avec nous ce soir, Mme Marlène Desbiens. Et chaque personnalité que nous venons de nommer se voit offrir et trouvera à sa place une belle tasse qui a été peinte par une artiste de la région, Mme Sandra Kessy. J'invite maintenant notre premier intervenant à venir prendre la parole devant vous, nul autre que le directeur de la SADC, à venir vous adresser la parole. Veuillez accueillir M. Pascal Harvey. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Je le fais collectivement, j'aurais voulu le faire individuellement, mais savez-vous, on est combien ce soir? On est plus de 300 personnes. Oui, parce que ça vaut la peine de s'applaudir. Je le dis maintenant depuis, en fait, je l'ai dit les 9 premières années, mais la première année qu'on l'a fait, il y a 10 ans, on était 60, on était dans cette salle-ci. Fait qu'imaginez, là, on est 300, on était 60. Fait qu'on a changé de salle, on est revenu. Mais c'est vraiment exceptionnel parce que la SADC, ses partenaires, les membres du comité, les gens qui travaillent au développement économique et social dans la région, les élus de Charlevoix croient au projet depuis les tout débuts. Puis ce soir, le message que vous nous donnez en étant aussi nombreux, c'est que vous y croyez aussi. Puis je pense qu'il faut collectivement se donner les outils pour avoir une collectivité en santé. Puis c'est pas juste une question de santé, je pense que c'est une question de fierté aussi, parce que ça permet aux jeunes d'avoir des infrastructures de qualité, ça permet aux jeunes d'avoir un sentiment d'appartenance, ça permet aux jeunes d'aller voir à l'extérieur, on peut pas les empêcher d'aller performer à l'extérieur, mais c'est surtout leur donner le message de revenir parce qu'on est bien dans Charlevoix, puis on est fiers d'y être. En compagnie de M. Pascal Harvey, directeur général de la SADC de Charlevoix au Fril, donc c'est la 10e édition pour le souper et aussi le 10e anniversaire du fonds. C'est sûr que 10 ans, c'est un chiffre magique. Comment est-ce qu'on appréhende le tout à l'heure actuelle? Bien, ne serait-ce que pour la vente des billets, c'est déjà un record. Depuis la première édition, où nous étions 60, il y a 10 ans déjà. On était dans cette même salle-ci au manoir, ça a évolué beaucoup. C'est sûr qu'on n'avait pas nécessairement d'attente. La première année, on avait récolté un montant qui était quand même assez minime, mais 10 ans plus tard, force est d'admettre que les gens croient au Fril. Puis les attentes par rapport à l'événement de cette année, bien, c'est plus de gens, on espère ramasser plus de sous, puis il y a plus de gens qui sont engagés dans la cause. Et là, il faut préciser que ce fonds-là, en fait, vient en aide aux infrastructures en sport et loisirs. Rapidement, quand on passe un peu à la tournée craft que déjà les producteurs RDS faisaient, est-ce qu'on peut faire un petit peu un parallèle entre ça? C'est-tu un peu le même principe? Bien, il y a un parallèle à faire, effectivement. C'est que nous, on regarde au niveau régional, puis on essaie d'aider tous les projets à laquelle on peut aider. C'est sûr que, exemple, la tournée craft, on va se concentrer sur... on va faire gagner un projet dans l'ensemble d'un territoire, tandis que nous, bien, tous les projets seront gagnants. C'est la grosse différence. Puis, on refuse jamais un projet. C'est des appels de candidature. Les gens nous déposent en continu tout au long de l'année leur projet avec leur montage financier. Puis, il faut comprendre que le Fonds régional en infrastructure vient en complément au montage financier. Les gens vont aller chercher des montants plus importants dans des programmes gouvernementaux ou dans des bailleurs de fonds privés. Le fonds régional va servir beaucoup au niveau de la mise de fonds du territoire, la mise de fonds du milieu. Donc, on va contribuer à peu près pour, en moyenne, 10 % du projet. Également, sur les tables, il y a encore une fois des souvenirs, des objets à vendre, que je pense entre autres à des rondelles du Canadien de Montréal, un chandail de Brad Marchand, qui Dieu sait, avec les Bruins de Boston. Donc là, ça, c'est des enchères. Donc, les fonds qu'on ramasse avec ces ventes-là vont servir également là, à gérer tout ça, là. Oui, parce que le souper bénéfice, c'est la seule activité de financement du fonds régional. C'est là qu'on ramasse les sous. C'est sûr qu'il y a des commandites qui rentrent en tout temps. Puis, il y a l'achat des billets, naturellement, qui aide au financement. Mais comme tu le dis, il y a des articles sportifs. Puis, cette année, on a ajouté autre chose. T'sais, il y a des forfaits dans des hôtels, il y a des forfaits dans des pourvoiries, il y a des articles reliés au café, à la consommation de café, ainsi de suite. Donc, on essaie d'être plus large que le sport. Oui, chandail de Brad Marchand. On va avoir également un chandail de Jean Béliveau signé et un chandail de Bobby Hull. Parce que cette année, il faut comprendre qu'un de nos coprésidents d'honneur, c'est Marc Juteau de Classic Auction. Donc, c'est lui qui nous offre l'opportunité d'avoir ces deux chandails.
J'ai regardé la liste des athlètes un peu invités pour ce souper-là. On pense à Sébastien Bouchard, à Marie-Pierre Chouinard, il y en a d'autres. Mais là, quand on voit cette gamme de produits-là, en fait, de Charlevoix, on se dit, c'est incroyable comment est-ce que le talent est là. On le voit peut-être pas, mais quand on prend du recul, c'est là qu'on le voit. Absolument. Puis cette année, comme c'est le 10e, les organisateurs ont voulu faire différent parce que généralement, on a toujours une coprésidence d'honneur. On l'a encore cette année, c'est Marc Juteau et Denis Lebel. Mais on a voulu souligner la présence de 10 athlètes actuels ou passés qui ont un lien avec la région. Soit que c'est des gens qui sont natifs d'ici, qui ont œuvré à l'extérieur pendant toute leur carrière, qui sont de retour, ou c'est des gens qui ont de la parenté dans la région, qui sont venus s'installer dans la région. Donc, c'est 10 personnalités qui ont vraiment un attachement pour Charlevoix. Si je prends un peu ton côté personnel maintenant à toi, qu'est-ce qui fait en sorte que la magie opère encore à vouloir un petit peu redonner à la communauté pour aider les jeunes? Est-ce que c'est ton petit côté cœur jeune aussi? Qu'est-ce qui bouge là-dedans? Bien oui, le côté cœur, puis moi, il faut comprendre que oui, je suis directeur de la SADC de Charlevoix qui supporte le Fonds régional en infrastructure de loisirs, donc ça fait partie de mon travail. Mais ça, c'est plus profond que ça parce que moi, j'ai œuvré pendant plusieurs années dans des associations sportives dans la région. J'ai pratiqué mon sport ici dans la région de Charlevoix, donc j'ai profité des infrastructures. J'ai côtoyé des bénévoles, j'ai côtoyé des entraîneurs, j'ai moi-même été entraîneur. Ça fait que c'est sûr que c'est redonné au suivant. Puis c'est de permettre à des jeunes de profiter d'infrastructures de qualité et à des bénévoles de continuer de s'impliquer. Pascal Hervé, un grand merci. On vous souhaite également une belle 10e édition et c'est toujours un plaisir de voir que l'événement revient chaque année. Ça fait un petit velours au cœur. Effectivement, merci beaucoup, puis c'est un plaisir aussi. Naturellement, le Frill, c'est la soirée où on amasse les fonds pour l'année, où on fait le gain de capital pour les projets tout au long de l'année. Donc, on a des bons partenaires. Vous en faites partie ce soir. On a des partenaires qui sont annuels. Naturellement, on participe à plusieurs projets. 80 projets ont été appuyés par le Frill depuis 10 ans maintenant. Mais on a eu un partenaire au cours de la dernière année qui est quand même assez considérable. Ça nous a permis d'ajouter un 20 000 $ à la cagnotte. C'est la classique Hivernal Bauer. Alors, on félicite M. Alain Dufour et son groupe. Je sais qu'il y a des représentants là, de la classique Bauer ici aujourd'hui. Sébastien Thibault a fait son bout de chemin. Il y a Nicolas Savard qui est impliqué aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans la classique Bauer. Donc, ça a été un partenaire de la dernière année qui nous a permis d'ajouter 20 000 $ Donc, ça prendra une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît. Je vais terminer en mentionnant une contribution qui a passé sous le radar parce que ça n'a pas été mentionné dans un de nos soupers. C'est la contribution de l'entreprise Clermont Dodge Chrysler qui s'associe pour une période de 5 ans au terrain de balle de Clermont. Et ça se fait sous le chapeau du Frill, mais ça s'est fait sans bruit. Donc, je sais qu'il y a des représentants de l'entreprise ici ce soir, Clermont Dodge Chrysler. C'est très, très, très apprécié ce que vous faites pour le terrain de balle de Clermont. Donc, c'est un projet parmi tant d'autres, mais c'est un projet supporté par la collectivité. Et j'aimerais mentionner en terminant que le domaine de l'industrie est très, très, très... Le domaine de l'industrie forestière est très bien représenté ici ce soir. On est heureux de vous avoir avec nous. C'est peut-être pas un hasard avec la présence de M. Lebel. On vous invite à réseauter ce soir. Je sais que vous l'avez fait avant de vous asseoir à table. On vous invite à profiter de votre soirée. On vous invite à être généreux. Vous l'avez déjà démontré. Puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci. En compagnie de Sébastien Mouchard, boxeur de Charlevoix, on est au Frill. Sébastien, pour commencer, parle-moi un peu de ton implication, en fait, ton invitation qui a été faite au Frill et comment tu trouves l'événement en question? Écoute, l'événement, c'est une super belle événement, c'est une super belle soirée. Je connais bien, écoute, David Tremblay et Sébastien Thibault qui s'impliquent beaucoup dans Charlevoix, fait que ça me fait plaisir de venir les supporter pour la Fondation, venir donner un petit coup de main. Si ça peut servir, le fonds d'investissement, si ça peut servir à plusieurs jeunes pour qu'ils se rendent loin dans le sport comme moi, ça me fait plaisir de redonner au suivant. Exactement. Maintenant, côté carrière, je pense que toi, tu avais pris une pause de l'entraînement à cause d'une blessure, mais là, prochainement, tu as un combat qui s'en vient. Comment t'appréhendes ce retour-là sur le ring? Ah, j'ai très hâte de retourner sur le ring. Écoute, mon dernier combat date du 1er décembre. Je vais me battre le 23 novembre. Ça va faire presque un an que je suis dehors du ring. J'ai très, très hâte de me battre. Ça va être le plus gros combat de ma carrière aussi. Ma blessure va super bien. C'est chose du passé. Puis on a très hâte de revenir entre les corps. Est-ce que tu as un entraînement particulier pour le faire? En fait, est-ce que tu as recommencé à avoir un programme intensif en vue de l'approche dans plus ou moins 3 semaines?
Ah oui, écoute, ça fait déjà peut-être presque trois mois et demi qu'on est à gros entraînement. Là, on commence à réduire l'entraînement, justement. On avait un gros volume d'entraînement. Puis là, de fil en aiguille, on ralentit doucement pour aller chercher un pic qu'on appelle dans le monde de la boxe. On donne une surdose d'entraînement, puis après ça, on récupère avec des entraînements plus spécifiques. Puis là, on va chercher un pic à notre combat. Oui, on a beaucoup d'entraînement en fonction du combat. Sébastien, merci beaucoup. On te souhaite évidemment un beau succès et je pense que la relève qui nous écoute peut apprécier les personnalités en fait positives que vous êtes et bien ça pour les jeunes. Je pense que c'est un bel exemple. Merci beaucoup. Hey, merci à vous. Bonne soirée. En compagnie de Marie-Pierre Chouinard, invitée spéciale, si je peux le dire, pour le Frill, en fait une athlète connue dans Charlevoix. Comment tu trouves l'événement et l'ambiance qu'on y retrouve ici? Je trouve ça magnifique de voir autant de gens se réunir pour une cause qui clairement tient à cœur aux gens de la région. C'est beau avoir un regroupement de la sorte. Donc, félicitations à l'organisation. Avant toute chose, félicitations vraiment. Je sais qu'ils ont travaillé énormément sur ça. Ça fait très longtemps parce que depuis le mois de février que j'en entends parler. Donc, un chapeau à toute l'équipe. On te connaît comme étant patineuse artistique, si je peux dire ainsi. De voir un événement comme ça, en fait, qui veut soutenir la relève, pour toi, est-ce que ça va un peu plus te chercher? Comment est-ce que tu appréhendes ça? C'est sûr que ça me parle énormément. J'ai vécu de ma passion. Je vis de mon sport depuis des années. Donc, ça me touche beaucoup de voir que la région veut supporter d'autres athlètes. Et même au niveau récréatif, je veux dire, le loisir, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Puis c'est le fun que ça prenne une place importante dans la région. Et pour toi, côté sportif, maintenant, dans les prochains mois, qu'est-ce qui attend Marie-Pierre Chouinard comme projet d'envergure, si je peux le dire ainsi? Je quitte pour le Mexique le 1er décembre, donc je vais patiner pendant un mois là-bas. Ça fait quand même un petit bout que j'ai pas performé, donc je suis dans la remise en forme là, en ce moment. Donc, c'est un projet qui est intéressant pour moi parce que c'est la première fois que je vais avoir l'opportunité de non seulement patiner, mais aussi participer aux chorégraphies et à la création du spectacle. Travailler avec des gens qui sont très talentueux. Mon collègue Von Schipper, qui est allé aux Olympiques il y a quelques années, donc c'est un honneur pour moi, qui est patineuse professionnelle de carrière, qui n'a jamais nécessairement performé sur la scène internationale au niveau compétitif, de travailler avec des gens qui, de leur côté, ont réussi à percer compétitivement parlant avant de passer chez les professionnels. Marie-Pierre Chouinard, merci. On te souhaite de passer un bon souper et on te suit là, assidûment au niveau de tous tes projets. Merci. Un gros merci à toi.